السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs, salam alaykoum wa rahmatullah. Je vais commencer par vous demander d'avoir la gentillesse, tous et toutes, d'éteindre les caméras et les microphones pour qu'il n'y ait pas d'interruption du cours. Barakallahu fikoum et merci pour votre compréhension. J'espère que je suis bien audible. Tout d'abord, c'est une joie et un plaisir de vous voir et vous rencontrer et parler avec vous. Ce qui représente pour moi une grande chose que de voir et parler avec les frères et les sœurs. S'il y a une bonne niya de ma part et de votre part, un seul regard suffit quand on est bien préparé à ce genre de rencontre où l'on essaie d'avoir une liaison sincère pour on va essayer de parler d'une notion qui existe dans l'islam, dans la religion d'Allah et dans toutes les religions. Parce que quand on dit islam, ça ne veut pas dire l'islam de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les religions s'appellent islam. Et Abraham, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a appelé les croyants des musulmans des soumis à Allah. La notion dont on va parler aujourd'hui, inshallah, c'est la notion de l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ordonner, appeler au bien et interdire et combattre le mal. Et son importance dans la vie individuelle du musulman et dans la vie de toute la société. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il a créé les lumières et les ténèbres. La lumière a ses soldats qui sont les anges et les ténèbres ont leurs soldats qui sont les shayatins, les diables. Et ce combat entre la lumière et les ténèbres, elle est éternelle et a commencé depuis la création de Sayyidina Adam et jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours ce combat parce que Shaitan n'abandonne jamais et reste confiant en lui et essaye de nous détourner de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de nos jours en tant qu'individu et jusqu'à la fin de la vie sur cette planète. Il ne désespère jamais. On doit avoir cette certitude qu'il est là à nous guetter, à essayer de nous détourner de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte que Sayyidina Ahmad ibn Hanbal, un grand savant musulman qui était en train d'agonir
et répéter ces mots. Pas encore, pas encore, pas encore. Alors les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas pourquoi il disait pas encore, pas encore, pas encore. Après ces quelques moments d'agonie, il a ouvert les yeux et on lui a dit, au lieu de dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tu étais en train de dire pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, je disais pas encore, c'était Shaitan qui me parlait et qui me disait, Oh Ahmed, tu m'as échappé. Et moi, je lui disais pas encore, pas encore, pas encore. Tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a un moment de vie, le soldat du mal essaye de nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette notion de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il est vital pour l'homme et il est vital pour la société. Il est vital pour nous, en tant qu'individus, d'apprendre la foi, de cheminer vers la foi et de la propager autour de nous. Et il est vital pour la société parce que quand il n'y a plus d'hommes ou de femmes, quand on dit homme, ça veut dire homme et femme. Tant qu'il y a des hommes qui propagent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette planète. Et tant qu'il n'y aura plus d'hommes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui propagent la lumière d'Allah, Allah met fin à la vie. Donc ce qui maintient la vie, c'est pas que la lumière, c'est pas que la lumière, c'est la lumière et la pro. Quand une lumière, et tu la dois pour ta vie, pour tes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Il n'accepte la lumière que celle est portée par toi et propagée par toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut détruire un peuple alors qu'il y a des saints dans ce peuple, mais des saints qui se sont satisfaits d'avoir la lumière pour eux. Ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas travaillé pour la propager. Allah subhanahu wa ta'ala les détruit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, Allah n'anéantit pas un peuple tant qu'il y a des propageurs de lumière. Il n'a pas dit de détenteurs de lumière. Il a dit propageurs de lumière. Ceux qui propagent la lumière, ceux qui réforment, ceux qui corrigent, ce sont ceux-là qui nous protègent de l'apocalypse. Donc, l'amr bil ma'ruf, ordonner le bien et interdire et combattre le mal, est une notion vitale pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, Wal asr, innal insana lafi khusr. Fi khusr. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Quelques mots dans cette sourate, quelques mots qui veulent tout dire, qui ont tout résumé. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Il jure par le temps qui passe, par les minutes qui passent, par les secondes qui passent. Et il dit, je le jure par le temps. Et ça montre la sacralité qu'est le temps. Comment tu les as passés? À quoi faire? À quoi ils t'ont servi? Et en quoi ils t'ont desservi aussi, si tu les as perdus à rien faire ou à faire du mal? Wal-asr, je le jure par le temps. Allah est en train de jurer, nous jurer à nous. Ça veut dire qu'on est de mauvaise foi et qu'on serait même tenté de ne pas croire à Allah. Donc Allah, il jure. Il dit, je le jure par le temps. Innal insana lafi khusr.
L'homme est en perdition. L'homme est perdu. L'homme court à sa perte. Pourquoi Allah? Pourquoi il court à sa perte? Tout homme court à sa perte, sauf quelques exceptions. Allah subhanahu wa ta'ala, il les précise dans le verset. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont la foi, en Allah bien sûr, qui ont la foi, qui ont fait de bonnes actions et qui ont ordonné Amilu Salihati, Watawasaw bilhaqi, ils se sont conseillés dans le bien, c'est-à-dire ils ont propagé cette foi et ces bons actes, et puis ils se sont conseillés la patience, ils ont eu la patience dans le travail de propagation de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque moment que tu vis, il est une preuve contre toi devant Allah. Et peut-être une mauvaise chose pour toi devant Allah. Chaque respiration que tu respires, soit tu es dans ce groupe de gens qui travaillent leur foi, ou font de bonnes actions, ou propagent le bien, ou se conseillent la patience. Soit tu fais ceci, soit tu cours à ta perte. Chaque moment, chaque respiration, Allah subhanahu wa ta'ala te posera une question. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce moment? Qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as passé ce moment? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois te poser la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala te la posera. Alors, essaye. S'il y a des micros ou des caméras ouvertes, s'il vous plaît. J'entends des bruits. Barakallahu fikoum. Illallah. Alors, chaque moment, Allah subhanahu wa ta'ala te posera la question. Allah subhanahu wa ta'ala te posera la question. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un célèbre hadith qui dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Chacun d'entre vous qui voit un mauvais acte ou bien un mauvais comportement ou n'importe quelque chose de travers, il doit la changer. Il doit la changer. Il doit pas voir le mal et dire je peux rien faire. Tu peux toujours faire quelque chose. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam précise dans le verset, il dit qu'il doit le changer, soit avec ses mains, et ça c'est pour les gens qui ont du pouvoir matériel, soit avec la main, pas pour toute personne. Des musulmans, entre guillemets, ont changé le mal avec la force. Le mal, on ne le change pas avec la force. On le change dans le cœur des hommes, pas avec les mains. Avec la force, quand c'est une autorité, c'est un pays, un État, un président, un responsable qui a le pouvoir, par exemple, de dire j'interdis la vente de l'alcool. Lui, il a cette autorité. Toi, quand tu vois les gens qui vendent de l'alcool dans un pays qui autorise la vente, tu n'as pas cette autorité. Donc, tu ne peux pas te servir de tes mains. Il t'est interdit. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu peux avec la main, tu le changes. Si tu ne peux pas, avec la bonne parole, avec ta langue, avec la bonne parole, si tu as la sagesse, et si tu as la force du cœur avec laquelle tu peux changer les choses avec la parole. Et ça, c'est pour les savants. Pour les savants et pour les sages qui ont de bonnes paroles illuminées, qui peuvent traverser le cœur des gens
et changer les choses dans le cœur des gens avec la bonne parole. Et si tu ne peux pas, si tu n'es pas un homme sage, et si tu n'es pas un savant, Ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, alors avec ton cœur, tu les changes avec ton cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est la foi la plus fine. Parce qu'on a tendance, quand on entend que changer les choses avec le cœur, c'est une chose qui est Adaf l'iman, faible, non, ce n'est pas la plus faible des choses, c'est la plus forte des choses. Changer les choses avec le cœur. Et ça, mes frères et mes sœurs, je vous invite à travailler dans ce sens. Travaillez vos cœurs pour que vous ayez la force de changer les choses avec le cœur. On peut changer un homme avec un regard. On peut changer un homme avec une bonne parole illuminée. On peut changer beaucoup de choses avec la force du cœur, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et ça, c'est notre voie. Notre voie, c'est travailler notre foi, travailler notre lumière pour qu'on ait la possibilité et la force de changer les choses autour de nous avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le combat entre le mal et le bien est dans son apogée en ce moment. Et les forces du mal travaillent jour et nuit. Alors soyez parmi les forces du bien. Soyez parmi les illuminés qui combattent ce mal. Travaillez votre cœur, travaillez votre lumière, travaillez votre évocation d'Allah. Travaillez votre dhikr d'Allah, travaillez votre cœur avec lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir faire profiter les gens autour de nous et autour de vous. Travaillez ce lien, il est primordial, il est très important. Tu ne peux pas puiser cette lumière directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux la puiser que par l'intermédiaire du messager d'Allah qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou des héritiers porteurs de ce secret divin porté par Sayyidina Nabi et par les savants et les awliyas de notre nation. Puisez cette lumière et vous allez en profiter, vous. Et vous allez en faire profiter les gens autour de vous. Et vous allez en faire profiter l'humanité entière. Ne croyez pas que ce monde roule au hasard, il vit au hasard. Il y a un Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui supervise tout, qui dirige tout, qui entretient tout et qui voit tout. Et tout se déroule sous ses yeux et sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et ne croyez pas qu'il marche au hasard. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a nommé des hommes, des soldats, porteurs de la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors soyez avec ces hommes. Si vous ne pouvez pas être parmi ces hommes, soyez avec eux. Soyez avec leurs disciples, soyez avec les hommes qui les aiment pour puiser cette lumière et la propager autour de vous. Vous les premiers, vous allez en profiter. Vous les premiers, en vous liant aux hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez en profiter personnellement. Parce que quand tu portes quelque chose, tu ne peux qu'en profiter. Tu ne vas pas faire profiter les gens alors que toi, tu n'en profites pas. Tu seras le premier à en profiter. Et il n'y a pas plus grande bénédiction dans cette vie que d'être lié à ces hommes. Ce lien, il est éternel. Il est entretenu par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien, profitable pour vous dans ce bas monde, le jour de votre mort et le jour de votre résurrection.
Ce lien, il n'a pas de fin, il n'a pas de limite. Il y a des gens qui savent ça, il y a des gens qui n'ont pas encore vécu ça, mais de toutes les façons, ayez la certitude que le lien avec les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bonheur personnel et un bonheur collectif. Et se propager le bien, changer le mal avec les mains, c'est une bonne chose, mais il peut persister dans le cœur des gens, même si tu le changes, tu changes extérieurement. Avec la parole, tu peux le faire pour ton ego. Tu peux le faire pour ça, montrer que tu fais le bien autour de toi. Tu peux le faire pour montrer que tu es mieux que les autres. Mais avec le cœur, c'est un monde merveilleux qui est le cœur des hommes. Tant d'hommes et tant de femmes changent sans savoir pourquoi ils changent. Rien ne peut changer une personne dans le sens de l'amour d'Allah et la lumière d'Allah comme l'amour des cœurs bénis et éclairés, l'amour des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman, quand il ne connaît pas cet amour, quand il ne vit pas cet amour, quand il ne chemine pas dans cet amour, il prie, il fait sa prière, il jeûne, il peut aller à l'hajj même, il peut faire beaucoup de choses, il peut avoir l'apparence d'un musulman, elle peut porter le voile et le foulard et être en souffrance et dire que je vis ma religion très mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est vrai que je prie, mais ça devient une routine. Je ne ressens rien, je ne vis rien, je ne progresse en rien, même dans mon comportement, même dans ma foi. Et j'ai même des fois des doutes sur Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il et qu'elle fait la prière. Alors ça veut dire qu'il y a un mal et un défaut quelque part. Ce défaut vient que cette adoration n'est qu'externe. Il n'a rien de véridique, il n'est pas rentré dans le cœur, il ne peut rentrer dans le cœur que par l'amour des hommes porteurs de cette lumière. Alors changer les choses avec le cœur, tu peux être chez toi et le cheikh peut être dans un autre pays et il peut te changer. Il peut te changer, il peut te faire quelque chose dans ton cœur, rien qu'en pensant à lui. Rien qu'en te liant à lui, rien qu'en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Je ne peux pas dire plus parce que ça, vous ne comprendrez pas et peut-être que vous allez me dire, tu racontes n'importe quoi. Alors je préfère m'arrêter ici et je préfère vous dire tout simplement, faites-moi conscience. Il n'y a pas plus sauveur de l'homme que l'amour des hommes. Je ne vais pas être long dans mon intervention parce que cette fois, je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite votre cheminement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous écrive parmi les sincères. Allah.